Les loulous, on est en demi-finale de ce tournoi du lundi 22 juin, organisé par Glory4Gamer, 22 juin 2015, organisé par le site Glory4Gamer. Je vous invite à aller sur ce site-là d'ailleurs, parce que si vous cherchez de la compétition sur Call of Duty ou même sur plein d'autres jeux, sur plein de plateformes, c'est vraiment la référence française en tout cas pour l'instant. Un site totalement français, bien entendu, géré par des Français, créé par des Français. Et donc, on va partir justement sur ce, sur cette demi-finale. On est sur du donc sur le tournoi Nasty Monday. On est sur PlayStation 4. C'est du 4 contre 4 règles d'Exerto sur Call of Duty Advanced Warfare. Et c'est va être les Reosax du côté Sentinel face au LMJ du côté Atlas. Et pour l'instant, on a vu des LMJ très 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 solides en HP, en point stratégique. On a vu des Reosax qui avaient un peu plus de mal, qui étaient pas mauvais en R&D et en uplink aussi. Mais vraiment, à mon avis, c'est les outsiders, c'est Reosax. On va voir les LMJ qui sont les grands favoris pour l'instant. Donc on va voir comment ça va se passer pour l'instant. Deuxième point stratégique, je ferme les paris maintenant, bien entendu les amis. Et on va se suivre ça justement, 12 à 24 pour l'instant, une douzaine de points d'avance pour ces LMJ qui ont repris le bon spawn là pour l'instant avec Wobbix. Wobbix qui va essayer d'avancer, qui va faire la bonne assise, qui va essayer peut-être de prendre le double kill qui ne passera pas, il est sur le point, c'est complete, ça va tomber malheureusement. Aïe aïe, c'est compliqué, c'est très très compliqué pour ces LMJ qui ont le spawn mais qui se font totalement outgun par ces Reosax là qui jouent vraiment très bien. Alors on va fermer les paris. Je vous rappelle que je ne regarde pas le chat pendant le. Si je regarde le chat mais je ne réponds pas au chat pendant la game. Donc je répondrai bien sûr après. Alors 22 à 35 pour l'instant, bientôt une vingtaine de points d'avance pour les LMJ. Là c'est pas grand chose, on est sur le P3. Pour l'instant Wabix qui est sur ce P3. Les Reosax qui ont décidé de pousser à 3 du côté du P5 mais qui vont tomber face à Théo. Théo qui est très 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 bien posé là pour l'instant, qui a bien commencé mais qui va se faire shoot. Wabix qui va se faire shoot aussi. Aod qui est réussi à rentrer dans le point. Il reste encore une trentaine de points à prendre. Aod qui va tomber malheureusement. Sky qui va tomber aussi. Les Reosas qui ont beaucoup de mal. Théo qui a repris le point. AGN qui va prendre. Oh là là, Théo, le gros turn de Théo. Et le moins 4, le full team qui a été fait. Aod qui va essayer de pousser du côté du désert mais malheureusement ça ne va pas passer. 30 à 72. Et pour l'instant, c'est vrai que les LMJ ont bien pris l'avantage, ont bien pris l'ascendant sur leur adversaire. Et on va voir justement les Reosax s'ils vont réussir à reprendre justement cette décale. Je sais que la décale c'est très très important hein. Des fois voilà, des fois il faut être capable aussi de dire bon c'est bon, on arrête, on prend la décale et on avance et puis c'est bon quoi. Et là pour l'instant le kit qui a été fait, Lego Kaiser qui est sur le point mais qui va se faire shoot Fuma qui va aussi essayer de défendre. Il était tellement low, il va prendre l'assist quand même. C'est très bien joué, très très beau teamplay de la part des LMJ avec Wabix. Oh Wabix il met la grosse patate. Wabix qui va prendre le double kill. C'est très très bien joué. Et maintenant ils ont fait le double kill. Il ne reste plus que deux Reosax sur le point. C'est tombé. Les Reosax qui vont essayer de pousser du côté du P2 mais ça va pas passer. Lego Kaiser qui va essayer de faire. Oh le double kill, oh, le triple kill qui est passé. Les Reosax qui se sont fait totalement sortir de ce P4. Les Reosax qui doivent absolument essayer de repartir bien sur ce P5 mais ça risque d'être très 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 compliqué. Ça risque d'être très 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 compliqué. On va voir comment ça va se passer avec HN. HN qui fait peut-être le double kill qui va passer. C'est très bien joué. Et là pour l'instant les Reosax qui sont bien passés mais ils ont complètement oublié de reprendre les spawns. Et les Go Kaiser là voilà qui en profite. Ça en profiter du côté des LMJ, ils ont réussi à faire le triple kill. Et le dernier Reosax qui est dans le coin, qui va se faire shoot par Wabix. Et pour l'instant, le triple kill qui a été fait du côté des LMJ, les Reosax qui ont spawné du côté du P4. Et là, ça risque d'être très très compliqué. Il reste encore 30 secondes sur ce P5. Tout est encore possible, hein, tout est réalisable. Mais là, clairement, on voit pour l'instant, première partie de ce match, une grosse domination des LMJ qui assure vraiment les points, qui font pas des décales très très importantes et très sympas. Ils
vraiment il joue les points à fond, à 100% jusqu'au dernier point poubelle. Mais c'est des Ryoza qui essayent de repartir toujours pour essayer de prendre le prochain, pour essayer de faire la décale. Mais malheureusement, le problème de ce P5, c'est qu'il a été mal pris, en tout cas le kill là qui veut être pris par Fuma. Il a même pas repéré. Pas possible. Fuma qui fait le bon kill, mais le spawn qui n'avait pas été pris par les Ryozax là du côté du P5 et les LMJ qui ont poussé et malheureusement ils ont fait tourner les spawns et ils ont eu les bons spawns. Ils ont complètement outgun du point les Ryozax. Alors les Ryozax là avec AGN qui a fait le double kill là pour l'instant, les Ryozax qui jouent bien, c'est contesté, le P2 kill contesté, Wabix là, oh là là, qui fait l'énorme kill Wabix qui est extrêmement chaud, il fait du 21-14 là pour l'instant. Allez, AGN qui est dans le P1, qui va essayer de défendre au maximum, il reste encore une vingtaine de points à prendre dans ce P1, 83 à 158, les Ryozax qui sont en train de remonter petit à petit. Oh, le bon kill de Sky là, le bon kill de Sky qui arrive à faire la bonne défense. Fuma qui prend encore le kill sur l'encre du côté des Ryozax. Les Ryozax qui ont le bon spawn du côté du P5, du P4, excusez-moi, ça s'est très très bien joué. C'est vrai que ce spawn en hauteur, ça permet de vraiment de prendre l'ascendant sur ses adversaires. Mais on a vu les Ryozax aussi qui avaient complètement outgun les ennemis, complètement outgun les LMJ. Et c'est vrai qu'après, c'est très très compliqué de faire de reprendre après. Hein, mais c'est vrai que voilà, les Ryozax là qui ont le bon spot normalement, qui sont en fin de conflit. Sky qui va essayer de faire quelque chose, mais il est tellement low. Sky, voilà, il est tellement low. On va voir comment ça va se passer. Oh là là, c'est bien pris de la part de Sky. Le triple kill qui a été pris avec le kill d'AGN et de ATK là pour l'instant. 99, allez, 100. La barre des 100 qui est passée. 70 points de retard pour ces Ryozax. Les Ryozax qui donnent tout là pour l'instant. 3 minutes 10 de jeu. C'est assez serré quand même, même si le score n'est pas en la faveur des Ryozax. Les Ryozax se battent vraiment avec toute leur force. Et ça va être très très compliqué de faire plier ces LMJ dans les 3 dernières minutes de jeu. Mais tout est possible, tout est réalisable. Hein. Là pour l'instant, 3 minutes de jeu, c'est encore jouable. Il y a assez de points pour la victoire des Ryozax. Les Ryozax qui sont en train de pousser, c'est très très bien. Le P3 qui a été décalé, le P3 qui a été bien pris, mais par contre Aod, l'encre qui s'est fait défoncer. AGN qui va tomber, le quad kill, le full team qui a été fait. Le problème c'est que le problème des Ryozax c'est qu'ils n'arrivent absolument pas à défendre leurs points. Dès qu'ils ont pris, ils se prennent des gros full team. Les attaques des LMJ sont tellement violentes, ils les prennent de vraiment de plein fouet et ça ne peut pas passer. Hein. AGN qui est toujours dans le point, qui va essayer de défendre un peu. Il essaye de sauter partout, il essaye de prendre un maximum de points, une vingtaine de secondes encore restantes, 117 à 204 et pour l'instant, plus la game avance, plus l'avantage des LMJ se fait sentir et plus ça va être extrêmement compliqué pour les Ryozax de repartir dans cette game. Et là je pense que ça risque d'être vraiment terminé. 100 points d'avance pour l'instant pour ces LMJ qui ont vraiment bien géré ce point stratégique. On va voir avec ATK qui va essayer de faire le kill, mais malheureusement ça ne va pas passer. Le dernier rempart AGN qui va tomber, Sky qui va tomber aussi, Aod, dernier rempart qui essaie de passer au mid, qui va essayer de voir là, qui prend le bon kill sur Fuma, mais malheureusement je ne pense pas que ça va passer. Oh, le bon kill sur Théo aussi, il est arrivé à faire le double kill, à sécuriser le point. Malheureusement ça a été shoot directement par Wabix qui a été shoot directement après par Sky qui est dans le point. Une vingtaine de points encore à prendre, mais malheureusement il ne reste pas assez de points au Ryozax pour reprendre et pour gagner cette game. Mathématiquement ça va être la victoire de CLMJ, mais il faut vraiment que les Ryozax pour le mental reprennent l'ascendant sur leur adversaire et essayent de mettre le maximum de points. Mais là les LMJ qui sont à 10 tout petits points de la victoire, on attaque le dernier point stratégique, le bon kill de Lego Kaiser. La Lego Kaiser qui fait le très très bon kill du côté, le joueur Névrose, nouvellement Névrose depuis quelques temps, depuis très peu de temps, excusez-moi, qui est en pick-up de cette équipe des LMJ. Allez, le triple kill, le quad kill des Ryozax là qui joue bien, mais malheureusement il n'avait pas pris les spawns. Et là ça a été le gros problème qu'ils avaient eu pour le P5 de la première
de la première rota. Ils n'ont toujours pas les spawns. Et là, ça risque d'être très très compliqué pour essayer de garder ça. Parce qu'on les sait que les, on sait que les LMJ, ils sont forts, ils ont du skill. Ils peuvent faire des très bonnes choses. Oh, le triple kill qui passe du côté des LMJ, qu'est-ce que je vous disais. Et justement, ATK qui va essayer de faire quelque chose. ATK qui prend le double kill, mais qui va tomber sous les balles de Wabix. 165 à 243, ça va être la victoire des LMJ dans ce point stratégique. Et normalement, 169 à 243. 169 à 243, victoire de ces LMJ dans cette première partie, dans cette première game. 250, très 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 très... 249, excusez-moi. Très bien joué de la part des LMJ. Qui emporte donc ce premier point stratégique. Et bien parié, on est parti, deuxième partie de cette demi-finale. Donc on est le tournoi du lundi 22 juin 2015. Et en fait, il est 1h10 du matin. C'est le tournoi Nasty Monday organisé par le site Glory for Gamer. Sur PlayStation 4, c'est du 4 contre 4. Règle des certos sur Call of Duty Advanced Warfare. Pour l'instant, la première manche qui vient de terminer. Donc, c'est les Réosax contre la team LMJ. La team LMJ qui a gagné la première carte, le premier point stratégique. Et on va suivre justement les Réosax pour voir ce qu'ils vont essayer de nous faire. Est-ce qu'ils vont y arriver à faire quelque chose. Évolution Théo qui a fait le gros coup de scope là. Très, 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 très bien joué. Le flash scope même. Et la première manche qui est prise par le CLMJ. Donc, je vais fermer les paris, les amis. J'espère que vous avez bien parié. Et voilà, on va se regarder cette game, bien entendu. Allez, pour l'instant, 1-0 pour ces LMJ. Les LMJ qui sont en 3v4 là pour l'instant, les Réosax, c'est Réosax d'attaquer. Ouais, les LMJ qui en fait qui ont pris directement le break, directement dès le début. Ah, ça peut faire mal, hein. Ça peut faire très très mal même, je pense. Allez, Fuma. Fuma qui a repéré. Oh là là, le kill qui passera pas. Oh, mais putain, mais il a mis tellement de balles là. Aïe aïe aïe, c'est parti, Fuma qui va... Oh, l'énorme kill de Fuma. Et le gros double kill. Oh, ce qu'il vient de mettre Réosax, la Fuma là. Très 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 bien joué. 2-0 pour l'instant. Oh là 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 là. 2-0. C'est LMJ là. Fuma, il vient de mettre l'énorme double kill là. Ça c'est très 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 bien joué au niveau de la piscine là. 2-0 pour l'instant dans cette R&D. Deuxième partie de cette demi-finale, les amis. Je vous rappelle que c'est les Réosax face au LMJ. Et pour l'instant, c'est les LMJ qui arrivent vraiment, vraiment, vraiment bien à avancer. Hein. Fuma qui a opéré la double de LMJ. Oh, le double kill qui a été fait sur les Réosax. Et pour l'instant, ça a été très, très compliqué. ATK. Qui normalement devrait avoir un kill important. Aïe 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 aïe, qui rate son kill. Sky qui va se retrouver en 1v4. La bombe est posée. 1v4, Sky. Aïe 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 aïe. Non, non, non. Là, ça risque d'être très compliqué. Il a été repéré. Il a pas réussi à faire le kill. C'est pas compliqué. Hein. Si t'es 1v4, que tu louches ton premier kill et que t'es repéré, là, clairement, t'as tes chances qui sont vraiment. C'est très très compliqué ça. Très 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 compliqué. Allez, on va suivre justement ces Réosax qui vont être en attaque. Ils se sont pris le double break. Le double break, ces Réosax. C'est maintenant qu'il faut essayer de repartir. Allez, le bon double kill là des Réosax, ça c'est très très bien joué. Le 2v4, oh la gêne qui fait le gros kill là. Et Théo qui va se retrouver en 1v4, la bombe qui n'est toujours pas posée. Par contre, Théo qui va se faire rush, qui va prendre le premier kill. Ça c'est très bien joué. Théo, non, qui va se faire shoot avec une AR, je crois que c'était une AR. Non, c'est une ASM1 qu'il a. Et le premier débreak qui a été fait par les Réosax. Ah ouais, c'est ça, c'est une HBR3, j'avais bien vu une AR. Je pensais vraiment que c'était derrière. Voilà. Le premier kill qui a été fait par les. Les Réosax. Et pour l'instant, eh ben, 3
1. Les Réosas qui doivent absolument prendre cette défense. Et je vous rappelle qu'ils ont encore un break de retard. Donc c'est maintenant qu'il faut absolument prendre cette défense et reprendre le débreak juste après. Ça serait la meilleure solution à faire pour les Réosax. Allez, Sky qui va déjà tomber sous les balles de Lego Kaiser. Lego Kaiser qui est vraiment énervé là pour le coup. Le joueur des névroses qui paye cette équipe. Allez, pour l'instant, le bon kill là. AGN. AGN, le bon kill, peut-être le double kill. Oh, le double kill. Oh, le double kill d'AGN qui passe. Ouais, malheureusement, il était en 1v4. Ça n'est pas passé. Le reste n'est pas passé. 4 à 1 pour l'instant, les LMJ. Les games qui s'enchaînent les unes aux autres. C'est vraiment très, 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 très rapide. Et c'est très, très peu serré pour l'instant. Les LMJ qui sont vraiment très, très bons. Et qui sont au-dessus de cette compétition là pour l'instant. On les a vus en quart, on les a vus en demi. Ils sont vraiment au-dessus là pour l'instant. Avec ta fenêtre, tu as encore ton bobo. Ouais, ouais, il est là. Je vous le montrerai après. Allez, 4-1 pour l'instant. AGN, oh le bon kill d'AGN avec l'aide d'AGN et le bon kill de Sky. Le double kill qui a été fait, AGN qui va poser la bombe, c'est bien joué. Théo, Théo qui va avoir quelque chose à faire, on va suivre peut-être Lego Kaiser. Lego Kaiser qui a repéré, qui va prendre le kill, ça c'est très très bien joué de sa part. Peut-être le double kill, non. Ah, Théo qui va tomber, Kaiser qui va se Léo Kaiser qui va se retrouver en 1v2, oh, il va prendre le kill. Oh là 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 là, tirer la cimette. Oula, j'ai failli tomber. S'y mettez le turn. S'y mettez le turn, mon gars. Mais là, ça aurait été, mais abusé. Là, franchement, je rigolais, là. Parce que là, mettre le turn à ça. Bon, les Go Kaiser, comme qui est en 3 de ratio. 9-3 pour l'instant. C'est très bien joué de sa part. Hein. Très, très bien joué de sa part. Allez, on va repartir sur cette game. 4-2 pour l'instant. Pour ces LMJ. Face à ces Réosax. Tout est possible. Allez, Go Kaiser qui va essayer d'avancer. Go Kaiser. Ça essaye peut-être de faire une pause rapide, mais la bombe qui est en pointe, c'est pas le meilleur. Oh là, les Go Kaiser, mais qui met le double kill? Mais les Go Kaiser qui met le double kill et qui pose la bombe directement, peut-être, non? Il n'a pas réussi, il n'a pas voulu poser la bombe là pour l'instant. Mais Aod qui va se retrouver au niveau de ce top snipe là, au niveau de cette petite cour là, ces petits bancs. Sky qui va prendre le premier kill, Sky et Aod qui prend le deuxième kill, le 2v2 là pour l'instant. Oh, le bon kill de Sky, le bon kill de Sky là pour l'instant. Très 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 grosse game des Réosax. Attention les Go Kaiser, c'est maintenant les Go Kaiser, c'est à lui de faire. Oh, ça a pas repéré. Oh, le Go Kaiser. Mais le Go Kaiser qui va peut-être prendre le double kill. Oh là là, il a failli prendre le double kill, il est tellement long. Mais c'est pas possible. Les Go Kaiser qui prend le double kill et qui fait le kill, qui fait la full team à lui tout seul. Qui fait la full team à lui tout seul, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible, mais il faut. Mais là c'est bon, il faut laisser jouer les Go Kaiser. Toutes les autres, ils peuvent se suicider, c'est bon, tu les mets en 1v4, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. 5-2. Oh là 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 là, les LMJ qui sont bons là pour l'instant. Oh, aïe. Mon dieu. Réosax, ils ne peuvent absolument rien faire. 5-2 pour l'instant. AGN qui va tomber. C'est sûr qu'après un moins 4 de Lego Kaiser, là tu. Un moins 4 là d'un seul joueur, ça doit te démoraliser. Voilà, la TK qui prend le bon kill là. Le 3v3 là pour l'instant. On va voir comment ça va se passer. 2v2, ATK à Odd. Aod qui est au-dessus. ATK qui a la bombe, qui s'est fait repérer parce qu'il a tiré. Il va falloir faire gaffe, hein. Il va faire gaffe. Aod qui a repéré. Aïe. Ça risque d'être compliqué. Ça risque d'être très très compliqué. Aod qui va se faire shoot. ATK qui va rester tout seul en 1v2. Il a toujours pas posé la bombe, Aod. Là, c'est mauvais. Le bon kill. Le bon kill qui est fait sur Wabix. Attention, la confrontation face à Lego Kaiser. Lego Kaiser du côté d'ASMA. Et il s'est suicidé. Mais non, mais j'hallucine. C'est pas possible. Il s'est pas suicidé quand même. Oh non. Non, mais c'est pas possible. Oh là là, le joueur Réosax. Oh
là là, je crois que le joueur Eozak s'est suicidé. Oh ya 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 6-2. 6-2 pour l'instant. Et ça va être la victoire des LMJ dans cette recherche et destruction. Ils se qualifient donc pour la finale. Et nous, bien sûr, on suit la finale sur ce stream, bien entendu, avec vous les loulous. 6-2, 4 manches d'écart entre les deux équipes.